que je dois comprendre, c'est que je dois apprendre à maîtriser mon attention. Maîtriser mon attention, c'est de m'assurer que je suis ici dans le moment présent. Vous avez déjà entendu parler plein de fois du fameux moment présent, notamment par Eckhart Tolle qui nous a, mais le Bouddha et plein de Jésus, hein? On a parlé plein de fois du moment présent. Qu'est-ce qu'il y a particulièrement dans le moment présent? Dans le moment présent, il y a la complétude. Dans le moment présent, il y a l'amour. Dans le moment présent, il y a la paix. Mais comment faire pour y aller dans le moment présent? Est-ce qu'on peut avoir, on peut tout simplement choisir d'aller dans le moment présent? Non. On doit s'entraîner, cultiver un chemin qui va nous ramener le plus souvent dans le moment présent. Parce que le moment, quand je vais être dans le moment présent, je vais me sentir complet. Le moment que je vais me sentir complet en amour et en paix, le jugement de maman ne me dérangera plus. La personne qui me fait réagir ne me dérangera plus. Et je vais faire un shift, on appelle ça un shift de conscience. Et si c'est un grand shift de conscience, on va appeler ça un saut quantique.